Donc mon métier de chef de projet, ça veut dire quoi? Ça veut dire de travailler main dans la main avec mon client pour définir avec lui le meilleur projet possible. Pour intégrer ses contraintes, donc la qualité qu'il en attend, les performances, et aussi les coûts et le planning. Concrètement, ça consiste aussi à coordonner toutes nos équipes d'ingénieurs, de techniciens, avec nos partenaires architectes, urbanistes, pour aboutir et réaliser le projet. Autre point important en phase de chantier, c'est d'impacter le moins possible les riverains, toutes les personnes qui vont être à côté des chantiers. Moi, ce que j'aime dans ce métier, c'est que je suis en contact avec plein de personnes différentes, de plein de métiers différents. Je suis souvent en réunion, je vais beaucoup sur les chantiers et je trouve ça vraiment très intéressant. Pour réussir dans ce métier, il faut des qualités humaines, il faut être à l'écoute de tout le monde, bien comprendre les difficultés des uns, les contraintes des autres, et aussi savoir piloter, décider et arbitrer. Même si à la base on n'est pas technicien, les compétences techniques, on les acquiert au fur et à mesure des projets. Et ça permet d'anticiper les problèmes. Un jeune qui voudrait se lancer dans ce métier, je lui dirais vas-y, il y a plein de projets différents, des tramways, des bus à haut niveau de service, du métro, mais aussi des barrages, des hôpitaux. Et on en tire une énorme satisfaction quand on voit les projets se réaliser. Quand on va se promener à côté d'une nouvelle construction et qu'on se dit que nous aussi, c'est grâce à nous qu'elle est là, ça me rend fier. Alors moi, ça fait 10 ans que je suis chez Artelia et je suis resté parce que il y a toujours plein d'opportunités de travailler sur plein de projets différents, en bâtiment, en industrie, en eau, en environnement, en transport, en infrastructure. Et ça bouge beaucoup. On gagne plein de projets et on a toujours autant le même souci de les réussir. En plus, chez Artelia, on peut évoluer de plein de façons, aussi bien géographiquement, en France, en Europe, dans le monde, qu'en métier. Par exemple, moi, j'ai commencé en bâtiment et maintenant, je travaille sur des projets de transport.